Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home pour continuer notre petite aventure et notamment l'assaut de la cathédrale, n'est-ce pas? Donc on doit prendre le contrôle des alentours de la cathédrale qui est un peu par là-bas, dans cette magnifique zone noire. Donc pour le moment j'ai fait en off, j'ai envoyé une équipe fouiller un petit peu toute cette zone qui s'était dégagée pour rechercher des ressources. Bon, je trouve juste un bout de métal. Et j'étais en train de fouiller de l'autre côté quand je suis tombé sur des ennemis juste ici. Donc on va s'en occuper tranquillement. C'est les squads numéro 2, hein, les squads de notre soigneuse avec son bonus de défense qui est déployé ici. Les autres sont planqués dans les herbes à cet endroit-là, prêts à s'occuper éventuellement de l'assaut. Mais d'abord il faut qu'on s'occupe de ça. Alors du coup lui va se rapprocher probablement. Avec un peu de chance on va pouvoir lui caler un petit coup de couteau, genre si je jette un petit caillou là. Est-ce que ça le fait venir ou pas? Je dirais que non. Ok, là il nous a vu fugitivement le temps qu'on traverse. Est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre? On voit personne d'autre, mais je crois qu'ils sont deux, hein. J'en ai vu au moins deux. Voilà, parfait. On va envoyer un petit coup du jumelle. Ah non, il est apparu de l'autre côté, nickel. Enfin nickel, je sais pas, mais... visiblement il est en mode qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a trois en fait. Ok, donc il y en a un qui patrouille là. Un qui est ici, très bien. C'est du fusil et de milice de base. On va observer un peu ce qu'ils font. Lui il se retourne. Ce qui m'intéresserait, voilà, c'est ça. Lui du coup... Allez, avant qu'il passe le coin, si possible, ce serait nickel. On a vu un autre là. Ok, replie-toi. Bon, c'est pas si mal. On va mettre quand même une petite vision si on peut. Donc ici on a un drapeau enlevé, donc c'est aussi pour ça que je prends un peu le temps de nettoyer le coin. Alors lui il surveille ses munitions, lui il fait son petit tour, donc il y aurait moyen de s'infiltrer par là quand même. On n'est pas caché ici, là on est caché. Alors lui s'il fait le tour en passant là, on peut se le faire, s'il fait le tour en passant là, eh ben il faut qu'on se planque. Donc on va se préparer. Normalement il devrait passer par là, s'il fait comme tout à l'heure. Allez, t'as disparu, réapparaît là. Oui, voilà, parfait. J'ai vraiment cru qu'il était parti de l'autre côté. Alors c'est une mission un peu longue, hein. Je sais pas si toutes les missions tactiques seront longues comme ça, mais bon, faut quand même dire qu'on prend d'assaut une ville pour notamment gérer le train, mais pas que quoi. Donc forcément ok, il y en a un là. Ah, on peut pas aller là-dedans, dommage. On peut pas aller là-dedans. C'est parce que je me serais bien planqué dans ces trucs là, mais lui là, s'il se retourne, il nous voit, je pense. Ok, ils se retournent pas dans le bon sens. Merde, non. Si, c'est bon, ils s'en vont. Allez, on se le fait. Voilà, infiltration sur les bords de la cathédrale, n'est-ce pas? Du coup, je serais bien pour que tu ailles te planquer par là-bas. Et par contre, je vais prendre... Ouais, lui il a une vitesse de déplacement augmentée, donc le but ça va être d'aller fouiller cette zone que j'ai pas eu le temps de fouiller. J'ai pas eu le temps d'y aller en off. Ah, on va arracher le drapeau aussi, tant qu'à faire. Voilà. On a 5 drapeaux sur 6, ça me paraît pas déconnant que le dernier soit du côté de la cathédrale. Bon, je m'attends pas trop à des ennemis ici, je me trompe peut-être, on va voir. Okay, progresse un peu mon cher. Là on arrive à portée de vision des autres, donc on va juste vérifier vite fait qu'il n'y ait pas des petites caisses de loot planquées dans un coin, mais ça me paraît quand même plutôt clean. Et ici ouais, on voit à travers les grilles, parfait. Donc il y a eu du massacre, mais ça paraît clean. Ok, très bien, on va pouvoir recommencer, faire demi-tour et voir pour progresser un peu là. Ça, c'est un truc où on peut se planquer ça. Ouais. On va te mettre là toi. Ok. Alors, surveillons cette entrée. Donc on doit aller là, ici il y a 2 mecs, on en a déjà éliminé 3, c'est plutôt pas mal, on peut progresser tout le long là normalement en étant à couvert. Donc on va pas se gêner, toi tu vas rejoindre ici. Alors une fois de plus hein, on va gérer les escouades indépendamment les unes des autres. Probablement qu'il va y avoir de l'action d'un côté avant qu'il y ait de l'action de l'autre, logiquement. Toi t'as même pas caché toi. Ah, ça serait que tu te caches toi. Voilà. Toi, cache-toi. Putain. Ça manque de précision. Aussi, s'approche, on va se le faire. On prend le fusilier. Ça me va plutôt bien. Mais je pense qu'il va pas venir. Il y a la barrière à passer. Ouais, non, il va pas venir assez près. Pour le moment, en tout cas. Si je jette un petit coup d'œil par là. Toi là. Il y a du monde ici. C'est plutôt clean, donc on pourrait éventuellement s'infiltrer par l'arrière avec notre petite escouade qui est là. Faut juste attendre qu'il ait fini de fumer sa clope. Ah non, il a sorti des jumelles. Très bien. Je suis pas sûr que lui va pas nous voir, non ça passe. De justesse, mais ça passe, parfait. Alors reprenons notre escouade ici. Eux ils sont en position, ils peuvent avancer jusque là avant que l'autre se retourne. Et on va observer un petit peu sa vision. Je voudrais voir notamment est-ce qu'il voit, ouais il voit à travers ça et visiblement il voit à travers ça aussi, ok. Un peu dommage mais on va faire avec. On va se placer là. Et prochaine rotation qui nous arrange, c'est-à-dire lui qui va par là-bas et l'autre qui va dans l'autre sens. On le chope. Ça devrait être bientôt. Vas-y, est-ce que tu peux le choper? On va vérifier, c'est pas dit hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trajets à faire et potentiellement d'autres gardes. Ah, c'est chaud. Non, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas grave, on fait des essais. Ok, donc là ils sont un petit peu trop loin. Du coup ce serait pas mal de l'attirer avec un petit caillou ou un truc du style. Détourner son attention un chouïa plus longtemps éventuellement. Toc. Alors ici. Donc là on est caché, toi du coup t'es là mais t'es quand même assez loin. Non, pas ça. Si tu lances un caillou... remarque, si tu pourrais lancer un caillou ici, pour, ça devrait suffire pour qu'il... il tourne le dos encore suffisamment longtemps. Pourquoi pas. Ah oui, j'avais lancé déjà l'assaut. Ok, donc du coup... c'est qui c'est toi? Vas-y, lance ton petit caillou. Allez, shoot-le. Replie-toi par là, ce sera très bien. Avant que l'autre arrive. Ok, c'est pas si mal. Est-ce que les autres ils pourraient nous aider un peu en nous donnant de la vision là? Genre toi là. Ok. Il y a lui encore qui reste. Et c'est tout. Après il y a ceux sur les autres flancs mais pour le moment c'est plutôt clean. Donc lui du coup, genre si on s'infiltre par là on est plutôt bien. Hein. On peut avancer de couverture en couverture et le choper vraiment quand il repasse. Ah, il y en a un là. Ok, il nous voit jusqu'ici. Très bien, très bien. C'est un mitrailleur en plus, lui. Mitrailleur level 2. Il nous a pas vu. Ok, on est infiltré ici. Parfait. On va ramener les copains. Ok, il y en a un qui arrive là. Jusqu'où il va? Assez loin quand même. Restons prudents. Non, c'est bon, il s'est arrêté. Il couvre l'entrée. Ok, on va attendre qu'il se tire. Et on va aller se planquer ici. Voilà. Parfait. Je vais mettre un coup de jumelle dans ce coin là. Ok, il y en a un là. Dans le cimetière. Il y avait une touche pour voir les objets je crois. Excusez-moi, ça fait un peu longtemps que j'ai pas tourné. Un objet, frappe d'artillerie. Non, ok, très bien. Du coup, toi tu peux te faufiler. Oula, plus loin. Lui a pas l'air de se retourner, on va s'en occuper. On ramasse donc le métal. Ouh, il y a un enfoiré qui approche là. Là-bas. Alors s'il passe devant nous, on va attendre, je voulais aller m'occuper un peu de l'autre flanc, mais s'il passe devant nous, on va pouvoir se le faire. Voire même s'il fait demi-tour et qu'il repart, on va pouvoir se faire pareil. Allez, avant qu'il entre dans le champ de vision de l'autre, parfait. Parfait, parfait. Donc toi du coup, tu vas nous donner une vision plutôt de derrière. L'église, c'est plutôt clean. Qui c'est qu'on a vu? Ok, on a vu un là qui regarde vers nous malheureusement. Donc on va faire le tour. J'aurais bien voulu éliminer celui-là en passant par le petit trou là, mais ça sera pas possible tant qu'on n'aura pas géré lui du coup. Planquez-vous là. Et du coup, toi, tu me donnes une vision. Ici. Un endroit qu'on voit pas. Ok, il y en a un là qui glandouille, il y a eux qui font leur petite patrouille. C'est un travail pour notre fusilier, on peut s'infiltrer par là. On va aller direct ici, je pense. Ah merde, c'était un peu juste. Reste caché, on va voir s'il vient. Il passe pas par le côté qui nous arrange le plus, honnêtement. Quand on peut se planquer là, du coup, pendant qu'il regarde ailleurs. Il va falloir attendre que lui refasse son tour. Sinon, il va nous griller. Je grille un peu. Voilà. Allez, vas-y. Tu vas derrière ton petit sac de sable. Tu fais ton petit tour. Et tu repars. Ouh, j'avais pas vu qu'il y a une Maxime ici. Mitrailleuse lourde. Allez, tu repars? Je suis pas sûr qu'il se retourne pas avant de partir, c'est pour ça que j'attends. Ok. Du coup, je peux même me faire celui-là, je pense. Ah non. Et l'autre enfoiré qui change de position. Pas cool ça, du coup c'est trop tard, là tu vas faire demi-tour. Là cette équipe est vraiment trop frontale, hein, pour le moment, on peut pas trop s'en servir. Par contre on aurait potentiel d'éliminer celui-là je pense. Tant que l'autre il regarde de l'autre côté là. C'est tourné. On le gère vite fait. On se planque. Voilà. Pendant ce temps là l'autre a fini sa ronde, il est revenu. Il gagne un petit peu de place. Voilà. Allez, repart. Normalement il devra repartir à peu près en même temps que celui-là. Ce qui va nous laisser le temps de nous occuper de celui du milieu. C'est parti. Oula, la cloche de l'église qui s'est mise à sonner, ça m'a fait, sursauter. Occupe-toi de celui-là avant qu'il fasse demi-tour, si c'est possible. Normalement il va sortir ses jumelles, on a le temps. Il ne reste plus que lui. On va pouvoir se faufiler dans son dos et le choper à sa prochaine rotation. Hop, recule un peu peut-être. Ça c'est du fusilier régulier, hein, c'est pas du mec à l'arrache. C'est pas de la milice comme on dit. Allez, chope-le. Parfait. Détruis-nous ça. Alors, au cas où, on va se mettre en position. Toi tu prends ça. Toi tu prends ça. On va mettre un mitrailleur ici, vous. Revenez par là. Ici, on n'a pas de mitrailleuse ici, donc on va mettre toi, on va ramener le grenadier. Ça va être l'infirmière qui va s'occuper de prendre le point. dès fois qu'il y a un assaut, on va s'occuper du petit drapeau. Místní by se díky tomu měli aspoň trochu cítit, že se jim vrátila svoboda. Pravda, ale nejspíš si ji nebudou užívat moc dlouho. Jdeme. Zaujímám pozici. Allez, c'est parti. J'ai sorti tout le monde de discrétion pour qu'ils puissent tirer si besoin. Espérant que ça va pas sortir de la l'église d'un coup. Allez, on lève notre petit drapeau. Go go go. Nemůžu se dočkat, až uvidíme, co v tom depu mají. Ok, on peut sortir du coup. Parfait. Vas-y, lâche la mitrailleuse, toi. Viens là, toi tu viens là, toi tu lâches la mitrailleuse. Tu viens là. Là. On a tout le monde, donc on a même pas le, on a pas les mecs qu'on avait venus sauver, hein, mais on a dit qu'on venait plus tard. J'imagine que la suite ça va être de rentrer dans l'entrepôt, donc on va voir. Nos soldats courageux et tenaces ont atteint tous les objectifs principaux. Nous avons découvert que d'autres unités de la Légion étaient déjà parties et que les Rouges avaient pris le contrôle de la ville. Personne ne voulait voir les événements de Moscou se reproduire. Nous avons donc dû sécuriser la ville pour assurer le passage de notre train. Notre tentative a été couronnée de succès. Promotion, et on a 3 médailles à mettre. On va en mettre une sur toi. Et toi tu t'es bien comporté également. On va booster un petit peu nos fusiliers. Qui nous fait quand même pas mal de niveaux comme ça. Alors, nickel. Alors je sais pas si on a raté des choses, s'ils nous les montrent, mais je pense qu'on a quand même plutôt bien fouillé la zone là. Les munitions utilisées, on est bien, on a utilisé une munition de mitrailleuse. On a récupéré 350 carburants, ça fait plaisir, 200 tissus. On a utilisé 2 grenades par contre, mais bon. C'est pas si mal. Maintenant que la gare est sûre, le train rejoint votre position. Pendant un instant, la ville retrouve son calme. Votre conseiller vous explique la situation. Vous devez faire un choix. La voie ferrée soit au sud, soit au nord, et les deux routes mènent à Vladivostok. Ah bah voilà, tu vois Zikino, tu parlais de du fait que le chemin se découpait. Bien sûr, à la fin, on arrive forcément à Vladivostok, mais on a déjà un premier embranchement là. Nous n'avons que des informations limitées. Nous savons que plusieurs de nos trains ont choisi la voie qui part au sud. Elle relie Penza à Tchelyabinsk et Omsk. Ok. Tous ces trains n'ont pas envoyé de rapport au gouvernement provisoire. Cela pourrait être le signe d'un problème technique ou d'une embuscade. Si nous empruntons cette route, nous pourrons découvrir ce qui leur est arrivé. Si nous choisissons la voie qui part au nord, nous irons d'abord à Yekaterinbourg, puis à Omsk. Ok, donc de toute façon, on repart sur Omsk. Des bataillons de l'armée blanche sont stationnés là-bas. Cela pourrait augmenter nos chances d'éviter la confrontation avec les rouges. De plus, si des légionnaires ont suivi cette route, ils pourraient être en vie. Nous avons une chance de les trouver. Ces deux options offrent plus ou moins les mêmes opportunités. Où que nous allions, il sera difficile de nous procurer de la nourriture et du carburant. Nous devrons soigneusement rationner nos ressources. Alors quel chemin allons-nous emprunter? Jouons à la sécurité et partons vers le nord, ou prenons le risque et partons vers le sud. Alors le problème du nord, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y ait des gens qui soient... De base je prendrais le truc risqué, mais je me dis, pour changer un petit peu, on pourrait prendre la solution moins risquée. Je pense qu'on va prendre la solution moins risquée. Espérons que vous avez pris la bonne décision. Bah écoute mec, t'es gentil hein, mais... Alors, on a débloqué un grenadier médecin. Un mitrailleur ingénieur, parfait. Un cuisinier. Ok. Double cuisinier. Et un fusilier ouvrier. C'est ça. Donc là, du coup, on part par là. On rejoint Omsk et après, on aura un nouvel embranchement ici. On a fait ça comme trajet. Hein. Il y en a encore un petit peu plus à faire. Hein. Terminé, des soldats ont rejoint l'équipe, ok. On a tous les petits résumés. C'est plutôt cool, on a fait 911 km. Il y a quoi encore à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9000 km à faire. Parfait. C'est sûr que ça fait tendu niveau charbon. Ok, on va arrêter du coup cet épisode là. Oh, quoique, on va lancer la suite. L'épisode est encore assez court et on arrêtera avant de démarrer. L'ordre 377. Bon, on a repris notre carburant. On est pas mal niveau nourriture, même si on a des personnes en plus. On a plus une thune, on a un peu de bois, on est bien en métal, on est très bien en tissu, les armes pour l'instant ne nous servent à rien. Et la poudre à canon non plus puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. Après avoir frappé à votre porte, le premier lieutenant Svoboda entre et vous remet un télégramme. Il est visiblement nerveux, mais se garde de donner son avis avant que vous ayez lu le message. Alors, à tous les ouvriers, paysans et soldats soviétiques de Penza à Vladivostok. Tout soldat de la légion tchécoslovaque aperçu avec une arme doit être fusillé sur place. Les Tchécoslovaques font partie de la conspiration impérialiste internationale et soutiennent les puissances contre-révolutionnaires dans leurs efforts pour diviser la Sibérie. Tout train de la Légion ne contenant ne serait-ce qu'une seule arme devra être saisi et ses légionnaires arrêtés. Une force d'intervention a été envoyée pour écraser et punir ces insurgés, mais les légionnaires tchécoslovaques qui baissent les armes seront traités comme des frères. Aucun wagon transportant des légionnaires tchécoslovaques ne peut avancer davantage vers l'Est. Quiconque aide les légionnaires ou les laisse passer sera considéré comme un traître et sera sévèrement puni. Commissaire du peuple aux affaires militaires et navales, Trotsky. Oh, notre ami Trotsky. Major, nous avons trouvé ceci à Penza. Vu la date indiquée, cela a été envoyé avant même notre arrivée à Moscou. Le major Gazdik avait raison, ils n'ont jamais eu l'intention de tenir parole. Morozov n'est qu'un sale menteur. On a donc une menace. L'armée rouge vous traque activement, rester trop longtemps au même endroit pose désormais un risque non négligeable. Ah, ok, intéressant. Nouvelle quête se rend à Kazan. Major, nous avons trouvé quelques wagons, mais il semble que nous ne puissions en récupérer qu'un seul. Nous pouvons utiliser l'autre pour les pièces. Lequel devrions-nous récupérer? Ah, un nouveau wagon. Alors, cuisine, pour fabriquer des consommables ou mener des recherches ou de l'équipement. Ah, je m'attendais à choisir entre l'infirmerie et autres, mais... Ah, malheureusement, on n'a pas tant d'ingénieurs que ça. Et les consommables peuvent quand même être forts, hein. Pour l'instant j'évitais de trop les utiliser, mais... On va prendre la cuisine, on va se la jouer cuisine. Wagon cuisine gratuit disponible au dépôt, et du coup l'autre on le débite en morceaux et on récupère des ressources. Alors du coup on a une menace, indique dans quelle mesure les ennemis connaissent la position du train et donc la probabilité et l'intensité de leur attaque. Augmente lorsque le train est à l'arrêt et diminue lorsqu'il avance. Ah oui, sachant que là il y a... Ah non, non, d'accord, c'est notre voie ferrée va par là. Je croyais qu'on pouvait envoyer des trucs, mais non, oui, là on aurait pu partir par ici. Mais du coup, on va par là. D'accord, on va changer d'angle du coup pour être globalement à peu près dans le... Toujours dans le sens, le train va vers la gauche, vers la droite, pardon. Part de la gauche va vers la droite. Alors, les unités de l'armée rouge constituent une menace, car elles tentent de trouver et d'attaquer votre train ou vos unités. Vous allez être relativement en sécurité tant que le train roule, mais vous êtes plus vulnérable lorsqu'il est à l'arrêt. Le niveau de menace apparaît sur l'indicateur en bas de l'écran. Plus il est élevé, plus les chances de confrontation avec l'ennemi sont grandes. Le niveau de menace augmente lorsque le train est à l'arrêt, baisse lorsqu'il est en mouvement, la vitesse surmultipliée réduit le niveau de menace plus rapidement. Logique, hein, plus on avance, moins ils arrivent à nous repérer. Alors, en menace faible, l'armée rouge vous cherche mais ne connaît pas encore votre position. En menace moyenne, l'ennemi lance occasionnellement de petites attaques. En menace élevée, l'armée rouge est entièrement concentrée sur vous et attaque en force. D'accord. On peut avoir des attaques quand même régulièrement. Voyons voir le dépôt. Ah, on peut acheter des wagons, d'accord. On peut acheter des wagons contre de l'or. Très bien, on peut vendre nos wagons également, si on le souhaite. Je sens que visiblement les wagons plus améliorés coûtent plus cher. Donc là on prend le wagon cuisine qui nous coûte rien, ok, très bien. Et si on voulait acheter par exemple un wagon médical ou un wagon atelier, ça coûterait 12 000. Faut qu'on regarde Alors bon, déjà on peut prendre notre wagon gratuit. Hop, sachant qu'on peut emmener que 7 wagons avec notre locomotive, hein, donc faut faire gaffe. On va mettre le wagon cuisine au milieu. Et donc du coup, si on regarde notre train, avec nos nouveaux légionnaires, là ouais, on en a quand même dans le dos. Je voulais savoir si j'avais des... si je pouvais me débarrasser d'un wagon d'infanterie. Mais non, ils sont pleins malheureusement. Donc on peut pas se débarrasser d'un wagon d'infanterie. Dommage. Donc on va pas pouvoir se faire de thunes, donc je pense qu'on peut oublier le... on peut oublier l'achat. Mais à savoir, hein, vous pouvez économiser un max de thunes pour acheter des wagons. De temps en temps. Et potentiellement à un moment une locomotive. Et ils ont 15 de carburant pour 18 pièces. On n'a pas les sous. On n'a pas les sous. Est-ce qu'on peut vendre des trucs? On peut vendre une trousse de secours. Pour avoir 15 de carburant. C'est pas donné, mais bon, on a vu que 15 ça pouvait se jouer à ça, hein, donc on va faire ça. Des trousses de secours, tant qu'on prend pas trop de dégâts ça va, et si jamais c'est la catastrophe, bah on fera avec ce qu'on a. C'est dommage de pas pouvoir prendre de wagon là. Alors, ce que je peux regarder, c'est que dans nos wagons là, ouais, il faudrait... on a 3 places et on a 4 mecs en plus, donc ça veut dire qu'il faudrait genre prendre ce wagon là. Améliorer, plus de quartiers, 3 nouveaux quartiers, 2h30. Et là, si on voulait faire encore plus grand... non, ça c'est la cuisine. On reste ici 2h30, alors sans de bois et sans de trucs. On a ce qu'il faut pour améliorer les deux. Après par contre on sera blindé à mort quoi. On pourra plus recruter personne. Ce qui veut dire qu'à un moment on devra racheter de toute façon un wagon d'infanterie. Sachant que là, un wagon d'infanterie coûte 10 000 avec aucune amélioration, et si avec une amélioration, on le vend 9 000. Donc c'est pas hyper avantageux quand même, hein. Et de toute façon, même si je fais ça, j'aurai pas de quoi acheter ça. Il me manquera 2000 balles dans tous les cas, qu'on peut pas gagner, enfin faudrait vendre nos ressources, c'est trop chaud. Les mines terrestres pour l'instant je m'en suis pas trop servi, mais clairement il y a un moment où ça va nous être utile je pense. Là c'était vraiment de la mission d'infiltration, mais si on doit faire de l'embuscade ou autre, ça va être très utile. Là on va pouvoir... alors peut-être que la vodka on pourrait la vendre. On va regarder un peu ce qu'on peut faire dans notre cuisine. Non, on va arrêter l'épisode parce que j'avais dit que j'arrêtais l'épisode. Donc on va arrêter l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.